Cet événement, c'est vraiment un trip d'ego puis des manigances pour avoir de l'argent pour faire mes prochains films. Je me suis dit, quoi de mieux pour attirer l'empathie des donneurs de subventions que d'organiser un bingo pour tout le milieu du cinéma. Un ciné-bingo en ligne, parce que pendant la pandémie, je pense que j'ai vu passer beaucoup de bingo en ligne. Il y a comme eu un petit trend, des bingos traditionnels, il y avait un bingo musical organisé par le festival Bleu Bleu. J'avais bien aimé ça. Je me suis dit, je crois que les cinéphiles aimeraient bien un concept de tout genre. Je suis aussi à un moment où j'avais besoin d'un quelque chose sur quoi me concentrer. Donc, ça me. Tu vois, j'ai mis mon énergie là-dessus. Là, on en est là. C'est super, on a une belle activité avec 10 commanditaires qui nous donnent des prix merveilleux, dont vous. Merci d'ailleurs. On a 5 réalisateurs Alec Ponovo, Frédéric Chaletet, Mara Joly, Ariane Louis-XVI, Patrice Laliberté, qui ont choisi les films qui vont servir de remplacement pour les chiffres qui sont traditionnellement sur les cartes de bingo. Pour moi, c'est vraiment un événement qui est là pour rassembler les cinéphiles, quoi, passer un bon petit moment tous ensemble, à prendre un verre, à rigoler, à s'amuser. Le jour même, on va donner un lien qui est en fait une salle Zoom. Je pense que tout le monde est maintenant familier avec Zoom, le nouveau salon du peuple. On va se rejoindre là-dessus et quand vous allez arriver sur Zoom, on va vous donner un lien qui est juste pour vous, un lien secret, qui va être votre carte de bingo. Et sur votre carte de bingo, il va y avoir des titres de films et pendant le jeu, on va passer des extraits de films dans un ordre aléatoire et vous allez devoir deviner de quel film il s'agit pour remplir votre carte de bingo. Sauf que, écoutez, pas de stress, c'est déguisé comme un jeu de connaissances, mais moi, étant l'animateur, je vais encourager tout le monde sur le chat de Zoom à révéler les réponses parce que, écoutez, on veut s'amuser, on veut pas se faire chier, on veut tous passer un bon moment, puis on veut que ça reste un jeu de chance. Donc, je dirais que ça va être un jeu de chance et de découverte peut-être cinématographique. S'il y a des extraits qui vous plaisent, puis vous voulez aller voir ces films-là après, ben vous pourrez. Je pense que j'avais jamais pensé à ça, mais on essaie. Puis quand je dis on, je veux dire moi. Mais là, je me suis habitué à parler au on parce que c'est plus convaincant pour embarquer des gens dans toute cette aventure. Donc, je pense que oui, on essaie de s'adapter aux sensibilités moderne de l'amusement. Ouais, je pense que oui, tu sais, que dans l'animation, que ce soit assez amusant, rassembleur, ben c'est un peu ça, bingo, c'est rassembleur, mais en fait, oui, regarde, tu vois, j'aimerais que ce soit plus rassembleur qu'un bingo traditionnel, parce que il va y avoir un chat. Donc, moi, j'aime bien ça si les gens peuvent comme virer wild sur le chat, non seulement révéler les réponses, mais se parler entre eux, dire des petites niaiseries, là. Moi, je veux vraiment que tout le monde soit un petit peu relax, là. Je veux pas encourager la consommation d'alcool. Mais écoutez, à chacun son relaxant. Mettez-vous bien, puis moi j'ai envie que tout le monde s'amuse et que tout le monde se repère parce que sur Zoom, on voit les autres participants. On peut se déplacer à travers les petites fenêtres en haut, voir si ses amis sont là, voir ce qu'ils font, les espionner peut-être. On peut même leur parler en privé sur le chat de Zoom. Fait que, ouais. Peut-être un petit peu plus moderne comme bingo parce qu'il y a plus de contact entre les êtres, même si on est à distance. Ben là, je me disais, écoute, moi j'adore le cinéma, je connais quelques films, mais si c'est moi qui choisis les 75 films qui vont remplacer les chiffres, ben on va se retrouver avec toute la filmographie de Christopher Nolan. Je pense que la diversité, c'est important. Donc, je me suis rappelé qu'au bingo, il y a 5 colonnes, B-I-N-G-O. Pourquoi pas remplacer ça par 5 genres de films choisis par 5 réalisateurs différents? Fait que c'était ça l'idée. J'ai contacté 5 réalisateurs que j'apprécie, que je connais ou pas. Ils se sont tous prêtés au jeu en choisissant un genre qui leur est plus familier. J'imagine. Alec Pronovost a choisi comédie, Frédéric Chaletet a choisi horreur, Mara Joly a choisi drame social, Ariane Louis-XVI a choisi coming of age et Patrice Laliberté a choisi science-fiction. Là-dedans, on s'est dit, toute la gang, que ce serait bien qu'il y ait des films qui sont un peu plus connus, qui sont plus high profile, puis d'autres qui sont plus nichés un peu. Donc, pas pour que ce soit plus dur, parce qu'encore là, écoutez, tout le monde va révéler les réponses, mais juste pour qu'il y ait de la diversité, puis qu'il y a des découvertes, qu'on essaie d'intégrer aussi le plus de cinéma québécois possible dans chaque catégorie. Il y en a pour lesquels c'est plus facile, j'imagine, comme mettons comédie, mais vous allez avoir des belles surprises côté film québécois dans science-fiction. Premièrement,
deux passes pour la prochaine édition du Festival Cours d'un soir. La prochaine édition physique, oui, parce que tu veux dire, il va peut-être avoir, peut-être que la prochaine va être en ligne. Ouais. Ben c'est ça, ben écoute, quand ça arrivera, là, pis c'est beaucoup de prix comme ça, là, tu sais, des laissés-passer pour des événements de quand ça arrivera, quand ce sera possible. Ça reste des très beaux prix. Le FNC donne une passe, le FCVQ, Festival de Québec, donne une passe, le Carousel de Rimouski donne deux passes, les Rendez-vous Québec Cinéma donne deux passes, le Cinéma Moderne donne une carte cadeau de 25$, la Cinémathèque québécoise donne deux laissés-passer, les cinémas Beaubien du Parc et du musée donne 6 laissés-passer. Le festival Regard donne une bouteille de gin, qui je pense va être au top des priorités de tout le monde pour cette soirée. Le magazine Séquence donne un abonnement d'un an. Puis là, je me demande si j'en ai oublié, mais il y en a 10 en tout cas. Là. Fait que j'en ai peut-être oublié un ou deux, mais c'est tous des très beaux prix. N'importe quel cinéphile va être content d'avoir. Là. Fait que venez au bingo, la gang. Là. Si vous vous cherchez une bonne soirée, mercredi le 17 juin, ou même si vous en avez déjà une, en fait, je pense que ça vaut vraiment la peine de déplacer ce que vous avez à l'horaire, parce que c'est vraiment le premier immanquable de l'été. Et c'est un rendez-vous unique pour les cinéphiles, ça n'a jamais eu lieu un ciné-bingo de la sorte, avec autant d'organismes qui font vivre le cinéma au Québec, qui s'allient ensemble pour faire passer une soirée de débile, avec autant de diversité dans les films présentés. Puis moi, à l'animation aussi, là, je pense que je vais peut-être écrire quelques petites blagues, je pense que moi-même, je vais peut-être prendre un petit verre. Et surtout, je vais brancher mon ordi au modem d'Internet pour pas que ça lague. Tout ça est à ne pas manquer. J'espère vraiment vous voir la petite face le mercredi 17 juin. Ne faites pas l'erreur de votre vie et venez jouer au Ciné Bingo. Merci.